qui représente mon pays, Maurice, dans des trois jours, nous pour faire le dernier spectacle du TV War. C'est un spectacle qui touche l'océan Indien, qui fait l'océan Indien vibrer, qui fait l'océan Indien tendre sur la voix, tendre sur l'engage, tendre sur l'instrument. C'est un spectacle qui nous donne l'occasion à nos enfants pour exprimer eux, pas seulement en chant, en théâtre et en danse. Il y a aussi un cœur amateur, il y a voilà, sa jolie brochette d'artistes qui nous trouve autour de moi. Et des deux côtés, Madagascar, La Réunion et CCL. Le spectacle TV War en lui-même cause nos recherches, nos origines, il pose question de nos couleurs à la peau et surtout nos héritages qui passent à nos enfants. Le spectacle s'appelle TV War et le titre de ce spectacle est tiré d'une chanson que moi j'ai écrite. Bon voilà, moi TV dit, hein, comme m'a dit tout à l'heure, c'était à cause, nous en tant que parents, nous ne prenons pas la responsabilité à prendre notre bonne marmaille, notre métissage. Parce que les vrais que si nous attendent que l'institution il fait ce travail-là pour nous, nous peut attendre longtemps. Et c'est à nous en tant que parents de faire ce travail-là. Parce que notre histoire ne nous connaît pas, parce que la bonne culture qui entoure nous ne nous connaît pas forcément. Nous voit à côté de nous, mais ne nous connaît pas. Elle a écrit le chanson L'ITV War pour ça. Mais comment vous voulez que moi, tu peux imaginer que quand elle a causé ça avec un madame qui s'appelle Lydie Géraud, que 3-4 semaines après, l'ITV revient, l'ITV dit à moi, Davy, voilà un dossier, lis-le, m'a jamais lire, lis ce dossier et dis-moi si c'est bien, si tu as envie de partager, si tu as envie de participer. Dedans, il y avait Daniel Waro, il y avait Gilbert Pugna. Pas seulement aux autres en tant que personne, mais aux autres répertoires aussi. Et puis il avait aussi une ou deux chansons d'Alain Peters. L'objectif, c'était jouer La Réunion. Nous l'a joué La Réunion. Nous l'a joué sur une grande scène. Nous l'a joué dans l'hôpital. Nous l'a joué. Après, à un moment donné, il a eu l'idée, et pourquoi nous ne sommes pas Paris? Nous l'a parti Casino de Paris. Nous avons fait deux spectacles là-bas. Parce qu'à un moment donné, il m'avait aussi fait la connaissance la grande dame là à côté de moi, Lindsay Bagbot. Le grand noir, Patrick Victor, a eu l'idée, ça pousse ça plus loin dans les îles. Et puis, là, monsieur Jozob, Euseb, la répondre présent, Radzir, un peu plus tard, les deux de Madagascar, la répondre présent. Parce que l'envie, c'était aussi aller partager ça dans la zone océan Indien. Parce que nous connaissons nos histoires, les partager, nos histoires, ils ressemblent, nos histoires, ils croisent. L'envie, c'est partage de l'histoire. C'est l'envie de partager, là, amène à nous ici. Et c'est aussi parce que Zot, à Madagascar en premier, Seychelles ensuite, Maurice Astaire, c'est parce que tout le monde l'avait envie de recevoir aussi, quelque part, que nous l'a gagné. Nous ne vient pas comme ça, nous vient parce que Nena elle a envie de faire ensemble. C'est très important, dans le cadre du TV Voir, de transmettre aux générations le flambeau, de leur donner aussi le repère, parce qu'on a une culture aussi à défendre. Là, c'est l'avantage de l'ITV War aussi. Pour cela qu'il y a des cœurs d'enfants, donc chaque pays ont participé. Donc, moi, je pense aussi que c'est ces enfants-là qui vont porter le flambeau demain, donc il faut qu'ils chassent aussi l'histoire. Donc, moi, je pense que l'ITV War, c'est un très bon exemple. En ce qui concerne personnellement Madagascar, le spectacle était bien reçu par le public et le message était très, 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 très bien passé. Et moi, je suis fier d'être malgache aussi et dans ce projet parce que c'est une grande opportunité aussi pour moi de faire connaître mon pays et aussi l'instrument parce qu'il y a le vrai rencontre humaine, il y a aussi les rencontres des instruments. Ce matin, il y avait les rencontres avec les élèves, donc je pense aussi que c'est là, il faut passer par là aussi. Et cet après-midi avec les artistes professionnels, ça c'est le partage, ça c'est le vrai échange amené par l'ITV War. En tant qu'artiste malgache, comment on vient se greffer à tout ça? Mais le malgache, les malgaches, Madagascar a un rôle important dans le peuplement des îles sœurs. Pour qu'un son résonne, il faut que ça naisse d'abord. Et le son est né à La Réunion.
Et après, ils l'ont étendu, ils l'ont partagé aux îles sœurs. Et quand on parle de l'océan Indien, la grande île, là, il peut être prétentieux ou vantard la personne qui vous parle, mais les premiers enfants nés à la Réunion étaient des métis malgaches, européens métis malgaches. Oui, et puis dans les îles sœurs, dans toutes les îles sœurs, il y a des descendants de malgaches. L'apport de l'Inde est aussi important. D'ailleurs, la musique sissuite que nous partageons dans les îles sœurs est aussi jouée en Inde. Ouais. Elle est aussi jouée en Afrique continentale, en Afrique du Nord et même en Amérique latine. L'ITVOA nous a permis de revivre, nous a permis plutôt de raviver ces liens historiques, les liens de parenté qui existent entre nous, la culture, les cultures que nous partageons, le Maloya, le Séga ou le Saleg de Madagascar sont des rythmes frères et sœurs. Eh bien, on transmet aux enfants parce qu'il y a des cœurs d'enfants qui voyagent avec nous dans l'ITVOA. Eh bien, ces enfants, ils apprennent qu'on a une histoire commune, on partage bien des choses, ouais, lien de parenté, lien d'amitié, la convivialité, et qui vont tous promouvoir la coopération entre nous. Je m'arrête là. Et, ouais, sinon, mon frère Séchélois, là, il ne va plus parler. Hein. Allez, mon frère. Diodjob. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci, Diodjob. L'idée, mais tout ça, bon monde qui représente tout ça, bon île, c'est justement pour que chacun y amène son pays, bagage son pays, l'instrument, rythme, son pays, pour faire sa mariage et pour faire sa vraie partage, qui l'océan Indien non pour partager. Chacun y sente son sens dans son langage, son pays, et chacun l'aïe dans son pays, il ban texte, ban dialogue, il dans son langage, son pays. Et il est intéressant aussi pour dire que même si nos enfants rayonnés, ils ont besoin de cause malgache, nous avons Madagascar, ils ont besoin de cause créole sécélois, nous avons Sécél. Et samedi, nous avons des enfants qui répondent à l'Inzi en créole mauricien. Ça peut permettre nous d'emmener peut-être le commencement de son l'océan Indien, qui nous, les musiciens, peut tout le temps recherché, peut tout le temps péroder. T'as l'air aussi cause l'os à faire bonnes enfants bon matin, bonnes collégiens bon matin. Et écoute mon petit dis autres et mon partage encore avec les autres qui là, qui y pèlent pour nous en nous son l'océan Indien. Il est pour nous identifier nous avec un son particulier et pour le monde entier aussi identifier lui avec un son l'océan Indien. Et l'ITVOA puis déclenche ça qui m'en croit pour venir sa nouveau mouvement artistique musical dans l'océan Indien demain. Je crois que c'était un passage heureux et obligé. Le but du spectacle ITVOA, c'était faire comprendre Bonne Marma, il faut connaître cette histoire, il faut comprendre notre métissage, et ça, c'est aussi le rôle de Bonne Parent. Le parent, c'est un modèle.
Et nous, on a plein de modèles, que ce soit dans la littérature, dans la musique, et quelque part, un monde comme Daniel Waro, M. Le Clésio, tout ça, c'est bon modèle. Ben, on a écrit à travers Zotla. Zotla donne un message, elle donne une vision. Et il est important, comment dire, conforte toutes les bonnes idées avec le bon texte, bonnes artistes comme ça. Ce qui me compte avec l'ITVWA, c'est qu'il y a mais nous dans l'endroit, dans un sentiment qui pas forcément qui nous envie aller volontairement. Un coup de bob, un son résonné, et il y a mais nous directement dans les passés. Et pas souvent nous gagnons des mounes, ou bien n'importe qui, ou un groupe des mounes, envie faire sa voyage dans les passés. Et surtout, si nous parlons plus loin, il est triste pour dire, mais il y a une réalité qui, dans l'école, nous survole l'histoire. Nous parlons de descendre en profondeur. Ben, spectacle d'ITVWA permet de descendre en profondeur. Tant de mots, de la bouche des enfants, aussi cris, aussi violents qu'il est capable d'être, et qu'il y tient une réalité avant. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de maltraitance, mais besoin d'y aller dans sa façon telle qu'elle, pour qu'il dit moun là, tout de suite, il sent sa douleur qui bannent les autres, qui sont dit avant. Mais il n'y a pas de stress dans la douleur, mais il fait prendre conscience que malgré douleur, malgré souffrance, malgré déracinement, non, c'est une persévérée. Zodi, nous vivons une autre fierté. Zodi, nous pouvons vivre loin de la terre, côté nous trouvons un langage pour nous causer. Il y a une petite anecdote de langage, ça qu'on peut causer dans notre langage, comment je vais trouver, et nous sommes capables de communiquer parfaitement bien. Donc ça aussi, l'ITVWA nous permet de faire. C'est surtout ça voyage aller dans le passé, mais faire un voyage pour retourner dans le présent et qu'on apprécie le présent qui nous a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous, nous allons la terre, ça qu'on a notice qu'il a. Nous découvrons notre culture, nous découvrons notre langage, notre manière de vivre, comme dit Dallon pour dire choc culturel. Nous découvrons beaucoup de ressemblances, beaucoup d'héritage, beaucoup d'origine, beaucoup de partage. Il y a tellement de beaucoup de choses qui nous recevons. Le sac la terre que nous allons, nous sentons nous côte nous. Sac zil qui trouve dans l'océan Indien nous côte nous. C'est un joli, un petit passage qui nous prend dans un spectacle qui devine écrire. Et c'est Dieu, dédié Renzo. Une langue en rousse dans la mer. L'endimé, l'in transforme en bout de la terre. Si nous guettons l'époque montagne et les mônes, ben là, nous étions. Nous étions dans la mer. Mais aujourd'hui, Maurice, nous vivons bout de la terre avec sa multiculturalité qui est dans nos pays. Ça a une couleur, ça a une langage, mais nous tous nous haines. Nous tous nous mauriciens et nous tous nous indiens, océaniques. Nous tous nous sommes enfants de l'océan indien et c'est ça qui fait nous fierté, nous la force. C'est l'héritage qui nous tous vive, nous tous nous remonte dans ses mains. Nous arrivons là aujourd'hui, nous portons avec le grand public. On a été à La Réunion, à Madagascar, aux Seychelles et maintenant à l'île Maurice pour l'apothéose, la finale. Mais l'équipe Oraya, Bruno, Lindsay, là, ils ont bien fait les choses. Des rencontres, des masterclass, des échanges avec des élèves, avec des musiciens. Eh bien, il y a eu vraiment des échanges et du partage. Moi, quelque chose qui, bon, pour quotidiennement avec tout le monde la vie, c'est d'abord sa réalisation qui est possible, bien possible, pour bon musicien, bon artiste, l'océan Indien, fonctionne ensemble, travaille ensemble, crée ensemble et produit ensemble. Dans des jours pour la fin, donc il y a un petit peu de tristesse qui peut commencer à rentrer. Mon pensée, ça est normal. Après qu'on vive ensemble pendant presque 30 jours, 30 nuits, les gens disent vivre ensemble, rire ensemble, jouer ensemble. Je retiens une quantité d'espoir, qu'il y a une quantité de quelque chose à travers ça. Ils vont planter et pour grandir et pour continuer, épanouir, pour faire nous continuer, faire ce qui nous croit, présent nos besoins, faire, vu qu'ils nous prouvent pour dire nous capables de faire quelque chose ensemble. J'ai retenu beaucoup de choses, l'émotion, le partage et surtout aussi avec les musiciens. Nous, en tant que musiciens professionnels, on a toujours la tendance d'aller en Europe. Et moi, personnellement, j'ai déjà commencé aussi des projets en Afrique. Et là, c'est fort parce que retour aux sources.
dans l'océan Indien. Mais retiens bon joli moment, bon moment de partage, plein de moments remplis d'émotions parce que Nena Bonne Marmaille, sur la scène, devant la scène, des enfants donc de chaque pays que nous l'avons visité jusqu'à maintenant, c'est dans l'équipe même, beaucoup de partage. Cette mirotien, c'est que nous les métis, nous n'avons bout de CAF, nous n'avons bout de Malbar, nous n'avons bout de Européen. Nous n'avons bout, comme il dit CAF, ils mettent africain malgache dedans. Hein. Nous n'avons bout de chinois, arabe. Mais est-ce que nous connaissons vraiment que ça il est ce bout de chinois, que ça il est ce bout d'arabe, que ça il est ce bout de Malbar, que ça il est ce bout de CAF, que ça il est ce bout d'oreille, comme il dit chez nous, ou bien européen. Ben, Astéa nous connaît. Astéa nous voit. Et il peut même dire Astéa nous peut croire. Il reste à Zot peut-être pouvoir, mais j'espère qu'à la fin, cette Zot va retenir aussi, c'est ça, c'est Astéa nous peut croire ensemble. Avec toutes les bonnes rencontres qu'il fait ici avec bon musicien, avec bon domoun, bon... Il trouve en fait un résonance. Résonance, La Réunion, résonance, Madagascar, Seychelles, Maurice, résonance. Il est comme un réconfort, il est comme une force, il est comme un envie partage plus encore. Il est comme si... De chien, l'instrument, il avait. Bon, l'année n'a 5. N'a 5 cordes. Et il suffit qu'un y résonne, il vibre, pour que les autres y vibrent aussi. Pour que tout y résonne ensemble. L'ITVWA, pour moi, il est un peu ça, là. C'est une résonance collective et une résonance unifiée. Une résonance rassemblée. Mais il résonne le plus fort possible. Et j'espère qu'en face, on aura. Mais sûr, de toute façon. N'aura un grand résonance aussi. Mon conclusion, si jamais il avait besoin de mettre N, c'est... Eh bien, du coup, l'ITVWA y arrête. Mais notre chemin y arrête pas. Moi, personnellement, je voulais voir elle ou il et vous, les publics mauriciens. Vous voulez voir aussi. Je crois fort. Et venez voir l'ITVWA. Samedi 28 à 19h30, soyez pas en retard. Parce qu'on commence à l'heure. Ça. Merci.